Bonjour à tous, Mbolani Salé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends sur ma chaîne Market Time. Tout d'abord, je vais commencer par présenter mes condoléances à toute la nation gabonaise et à toutes les personnes qui ont perdu des parents dans le naufrage du bateau Esther Miracle. Je présente aussi mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille depuis le début de cette année. Et pour cela, je vais vous demander de faire une minute de silence avec moi. Donc, je vais prendre ma bougie que j'ai allumée en mémoire de nos chers disparus. Et nous allons faire une minute de silence. Merci. Alors, vraiment, le Gabon est en train de traverser une période très, très difficile. Et il y a beaucoup d'âmes errantes qui n'ont pas pu rejoindre la lumière. Ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas encore montés. Elles sont en train de se balader, elles sont en train de errer sur la terre. Des âmes qui sont mortes de façon tragique et qui ne savent même pas qu'elles sont mortes. Donc elles sont en train de chercher du réconfort. Et elles errent dans les maisons, elles errent partout dans toute la ville. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider, pour les soulager un tout petit peu. Chaque personne dans sa maison peut prendre un verre d'eau, de l'eau simple mais propre, que vous mettez dans un verre et vous la déposez sur la table. Que ce soit la table à manger ou la table basse, peu importe. Mais il faut toujours laisser un verre d'eau. Je vais vous montrer le verre d'eau que moi je laisse ici, chez moi. Alors, c'est un verre comme ceci. Un verre propre, hein, s'il vous plaît. Un verre propre et de l'eau propre. Vous mettez à l'intérieur, vous laissez sur la table basse. Pour que chaque esprit, chaque âme errante puisse s'abreuver. Nous ne savons pas ce qui est derrière. Parce que nous sommes dans le monde des vivants. Mais il y a également le monde invisible. Et il faudra que nous puissions penser à nos disparus. En laissant un verre d'eau, pour ceux qui n'ont rien, le minimum serait un verre d'eau. Maintenant, si vous pouvez, dans les limites de vos possibilités, il y en a d'autres, comme je voyais souvent mon voisin en Autriche, il achetait des bonbons. Il achetait du chocolat, des tablettes de chocolat, et il mettait ça dans une assiette et il laissait sur la table. Ça permet à n'importe quel esprit qui passe de prendre un bonbon, de manger, de boire. Ça donne du réconfort. Ça montre aussi qu'on ne les oublie pas. Que partout où nous sommes, quoi que nous fassions, ils sont toujours présents dans notre mémoire. Donc, surtout en ce temps de deuil que la nation gabonaise traverse, que chaque famille pense à mettre un verre d'eau dans son domicile, pense à mettre des bonbons sur sa table, afin que chaque âme errante qui passe voit
qu'on se souvient toujours d'eux, qu'on ne les oublie pas, qu'ils sont dans nos mémoires. C'est une manière à nous de leur faire un signe. C'est très important. C'est vraiment très important. Avec tous les deuils que nous traversons, tous les morts que nous avons, c'est très essentiel de le faire. Alors, j'aimerais également aborder un autre sujet. Vous savez, nous sommes en train de traverser une conjoncture économique très instable, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, la conjoncture économique est instable. Le panier de la ménagère connaît une crise sans précédent. Les familles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est devenu très, très difficile. Encore plus pour les familles nombreuses. Et nous savons qu'en Afrique, Dieu sait qu'en Afrique, nous avons beaucoup de familles nombreuses, beaucoup de bouches à nourrir. Comment faire? Quels sont les moyens à mettre en place pour éviter une famine mondiale? C'est très simple. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup de richesses, et notamment au Gabon. Nous avons beaucoup de richesses. Nous avons une immense forêt équatoriale qui est dans notre pays. Et dans cette forêt équatoriale, nous avons des légumineux. Quand je parle de légumineux, ce sont les herbes qui poussent dans nos forêts. Nous avons par exemple les feuilles de manioc, que nous tous nous connaissons. Mais nous avons aussi les feuilles de patates, les feuilles de taro qui poussent à ciel ouvert dans nos forêts, même derrière nos maisons. Alors, on peut prendre ces légumes-là, les faire revenir avec de l'oignon et les manger. Pas besoin de viande, pas besoin de poulet, pas besoin de queue de bœuf. C'est tout aussi nourrissant. Une autre chose que nous pouvons faire, nous connaissons tous les boutures de tubercules de manioc. Nous pouvons prendre ces boutures-là, ces tubercules-là, les faire sécher au soleil. Ou alors, s'il n'y a pas le soleil, s'il pleut toute la journée, vous les faites sécher au four. Bien sèches, mais quand elles sont bien sèches, vous les écrasez au mixeur. Pour ceux qui ont un mixeur, ils les écrasent au mixeur. Ou alors vous partez dans un moulin où il y a les grosses machines là, vous les écrasez dedans. Jusqu'à ce que ça devienne la poussière. Quand c'est déjà bien écrasé là, ça devient la farine. La farine de manioc. Avec la farine de manioc, on peut tout faire. On peut faire le manioc. On peut faire les bouillies pour donner à manger à nos bébés, donner à manger à nos enfants. On peut faire le pain avec la farine de manioc. Il n'y a pas seulement que la farine de blé. La farine de manioc là, que vous négligez là, on fait le pain avec ça. Vous faites pétrir la pâte, vous mettez le sel, vous mettez la levure boulangère. Vous donnez la forme, vous malaxez ça bien pétri. Vous donnez la forme du pain. Vous faites cuire ça au four. Et vous mangez avec vos enfants. Aujourd'hui là même, le pain est devenu cher. Pour avoir même 100 francs pour acheter le pain chez le boutiquier, c'est tout un problème. La crise frappe. Et ce n'est que le début. Des jours sombres arrivent. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer à cette éventualité. Chaque famille gabonaise peut fabriquer son pain avec la farine de manioc. Vous pouvez faire vos bouillies de farine, la bouillie de farine de manioc là. Pas besoin d'acheter les pots. Les pots qu'on donne aux enfants en pharmacie là, ces pots de yaourt là qui coûtent des 5 000, des 6 000, 5 000.
Avec les prix qui augmentent, chaque bébé ne peut plus se permettre de manger une bouillie de 6 500 ou de 7 000. Non, c'est trop. Avec la farine de manioc, on fabrique la bouillie. On donne ça au bébé. On met dedans les pindes. Les pindes, là, c'est les arachides. Vous prenez les arachides, là, vous écrasez, vous mettez dans la bouillie de farine, vous mélangez, l'enfant mange. Il est même mieux nourri que s'il prenait les laits de la pharmacie qui coûtent excessivement cher. On nous parle de crise, on nous parle de famine. Le lait qui coûte, la boîte de lait qui coûte maintenant 15 000, 16 000. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Nos ancêtres faisaient comment? Est-ce qu'ils avaient les boîtes de lait? Non! Mais leurs enfants étaient costauds. C'était des guerriers qui partaient en forêt, en brousse, aller tuer les gros gibiers là-bas. Pourtant, ils ne buvaient pas le lait. Hein? Mais comment ils faisaient? Ils se nourrissaient des pindes là, les arachides grillés là, avec la bouillie de farine de manioc. Tu donnes ça à ton enfant devient robotor. Il devient costaud, fort. Avec les légumes, les feuilles de taro, les feuilles de patates douces. On nous parle de la pénurie de l'huile. Je suis vraiment sidérée quand j'entends qu'il y a la pénurie de l'huile. Mais c'est incroyable. Nous sommes un peuple côtier. On a près de 800 km de côte au Gabon. Et on cherche l'huile. On cherche l'huile. Alors que moi, je me rappelle que mon arrière-grand-mère, elle avait chez elle l'huile de coco dans son buffet en rotin. Elle avait au moins 5 litres d'huile de coco. Dans les damjanes d'avant, là, les grosses damjanes en verre d'avant, elle avait l'huile de coco dedans, plein en paraille. Les femmes d'avant, elles mangeaient avec l'huile de coco, elles cuisinaient avec l'huile de coco. L'huile de coco, c'était leur crème. Elles utilisaient ça pour le corps et pour les cheveux. Avec l'huile de coco là, on fait l'huile pour la nourriture, on fait l'huile pour le corps, on fait l'huile pour les cheveux. L'huile de coco. Les peuples côtiers savent très bien comment fabriquer l'huile de coco. Allez chez vos grands-mères. Demandez à vos grands-mères comment on fabrique l'huile de coco. Pour arrêter de payer l'huile qui coûte 7 000, 8 000, 15 000. Vous allez faire des économies. Vous n'allez plus chercher l'huile de coco. Le sel. On est en train de chercher le sel. Mais nous sommes à côté du sel. Sur la plage, là, les femmes Sekiani savaient comment faire le sel. À Mayumba, on recueille le sel. Ce n'est pas des denrées qu'on peut chercher. Non, pas du tout. Vous prenez le sel de mer, là. Les peuples côtiers, là, ils savent comment recueillir le sel. Ils savent comment fabriquer l'huile de coco. Vous avez le sel, vous avez l'huile de coco, vous avez les légumes, les feuilles de taro, les feuilles de patate. Vous avez la farine de manioc. À Niamberera, vous cherchez quoi encore? On cherche encore quoi? Les légumes, là, pas besoin de viande, pas besoin de poulet. On prend les tombis. Vous connaissez les tombis, non? Les gros vers de terre, palmiers, ce qui reste dans les palmiers, là. Vous prenez ça, les tombis. Vous mélangez ça dans les légumes. Avec l'huile de coco, on fait revenir ça avec l'oignon, le piment. Hey! Mais vous n'enviez pas quelqu'un qui mange le poulet ou la queue? Pas du tout. Vous n'enviez pas quelqu'un qui mange les côtisses? Au contraire, c'est tellement riche en protéines, c'est tellement riche en vitamines. Voilà les solutions.
culinaire que nous pouvons avoir pour lutter contre la crise économique, contre la famine. C'est vraiment important, c'est essentiel de revenir à ces valeurs-là. J'espère que ce message arrivera dans les oreilles des personnes conscientes. En tout cas, celles qui suivront ces conseils, je vous assure, elles n'auront jamais la famine dans leur maison. Vraiment, que nos ancêtres continuent de veiller sur nous et de veiller sur nos familles. C'était le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de votre santé. Et n'oubliez pas nos disparus. Ayez toujours une pensée pour elles chaque jour. C'est important.